suis président du comité bouliste de la Loire. Et le développement du sport boule santé, alors on a conclu un partenariat avec le DOS naturellement, mais le développement du sport boule santé entre dans le cadre d'une diversification complète du sport boule sur un plan quadriennal que nous avons lancé l'année dernière. Nous avons démarré sur Feur par commodité et puis nous sommes en train de lancer une opération similaire sur Rouen. Et puis, en fin d'année, nous poursuivrons notre expansion du sport pour santé sur Saint-Chamond. Évidemment, nous avons problème d'occupation des boulodromes, ce qui fait que nous avons décidé de consacrer les mercredis matins au sport boule santé, ce qui fait que les créneaux sont tout à fait, les boulodromes sont tout à fait libres tous les mercredis matins. Le public dans lequel se trouvent nos adhérents est composé majoritairement de seniors, naturellement, puisque c'est sport boule santé, de gens sans pathologie, puisque ça n'est pas du sport sur ordonnance, simplement du sport boule santé, c'est-à-dire un rôle préventif. Le sport boule leur apporte de l'adresse, de la coordination de mouvement. C'est un sport qui n'est pas traumatisant. Et avec plaisir, on voit que certains adhérents prennent après des licences sport boule et ont vu leur état physique s'améliorer de façon considérable. La boule santé, c'est le plaisir. La boule santé, c'est le bien-être. La boule santé, c'est la mémorisation. La boule santé, c'est l'équilibre. La boule santé, c'est l'énergie. La boule santé, c'est la vie sociale. Santé, santé. Santé.